Et voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue pour ce stream sur le fameux Resident Evil 1. Hop, passons, attendez, je vais vous passer déjà la cinématique, parce que là, la cinématique du jeu nous montre tous les boss. Hop, voilà, c'est bon, je vais faire la transition. Comment allez-vous sur le chat? Est-ce que ça va bien? Hop, comme ça je vous lis, on est parfait. Ça, on peut enlever. Toi, arrête de charger ça. Hop, voilà, là on est bien. Eh bien, bonsoir à tous. J'enlève mes écouteurs, hein, il n'y en a pas besoin. Comment est-ce que ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Arrête de me lancer cette cinématique. Voilà. Alors, première chose, c'est la première fois que je stream sur PS4. Donc, dites-moi au niveau du son comment ça va. Parce que la PS4, elle a plus tendance à mettre le son assez élevé que la Switch. Donc, à mon avis, il y aura des petits réglages à faire. Mais ça, vous me le direz, bah, vous me le direz en cours. Hein. Là, normalement, il n'y a pas de son pour l'instant. Hop. Alors on va charger, non on va pas du tout charger une partie, tac. On va démarrer tout de suite, hein. On va aller dans nouveau et on va entendre le fameux Resident Evil. Qui fait plaisir. Ah ça fait plaisir. J'aime énormément ce jeu, vous allez vous en rendre compte. Bref, je vais pas m'éterniser, hein. On va faire le jeu en difficulté normale, entre guillemets. Je crois que c'est l'ancienne difficulté facile, mais on va le faire dans cette difficulté. Parce qu'on le fera en mode plus difficile avec Chris quand il sortira sur Switch, voilà. Maintenant, vous êtes au courant. Du coup, si on le fait avec Chris quand il sortira sur Switch, et ben là, on va le faire avec Jill. Je vous laisse la cinématique. C'est parti. Belle cinématique, hein, n'est-ce pas? Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City. Where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate. But we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. This way.
There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. A dining room. Ok, on va rebaisser un petit peu le son du jeu, hein. Je voulais monter pendant la cinématique du coup. On est parti donc, on est l'équipe Alpha à la recherche de l'équipe Bravo. Et malheureusement, en plus de ça, Chris qui était avec nous a disparu. Et le but, eh ben, ça va être de les retrouver. Alors, pour ceux qui connaissent pas Resident Evil, c'est un jeu qui est fait avec des plans fixes, comme vous le voyez. C'est une maniabilité assez particulière, hein. On tourne sur nous-mêmes et on avance. On va récupérer tout de suite les petits rubans encore qui vont nous servir à sauvegarder, parce qu'on ne peut pas sauvegarder à l'infini dans ce jeu. On peut sauvegarder à l'aide des machines à écrire, on va pas le faire tout de suite. Et on va donc d'abord voir ce qu'était ce coup de feu. What is it? Blood. Un peu de sang trouvé par Barry, hein. Un personnage que j'adore, Barry. Alors maintenant qu'on est en plein jeu, par contre, vous pourrez me dire si le son va en termes de force, parce que, encore une fois, les jeux PS4 sont un peu plus forts que les jeux Switch, mais beaucoup plus forts. On va aller voir ça. Alors vous voyez, on peut récupérer évidemment pas mal d'items, mais l'inventaire est ultra limité. Par exemple, celui-là, ben, je vais le laisser là pour l'instant, parce que je sais qu'il me servira un peu plus tard, parce que oui, le jeu, je le connais un petit peu quand même. Je l'ai fait pas mal de fois. On va aller voir ce qui se passe par là-bas. Donc tout se passe par ici. Et notre première rencontre avec un zombie arrive. Donc pas le son spécialement fort, bah écoute, c'est que ça va. Si je le mets plus fort, vous me dites. Hein. Y a pas de souci, on est là pour faire les réglages au début, vous le savez. Et on est peut-être là pour éviter mon ami aussi. Hein. Hop, Barry, sauve-moi. Barry, je suis lâche. Barry. What is it? Look out, it's a monster. Let me take care of it. On va très bien, merci Ender. L'histoire est cool, mais le gameplay n'est pas top à l'époque. Pour l'époque, ça va, mais il a encore été amélioré, hein, le gameplay d'ailleurs. Mais c'est sûr que c'est maniabilité très très à l'ancienne. Hein, on va pas se le cacher, ça. Et évidemment, il y a le système des portes qui s'ouvrent avec une cinématique à chaque fois. Salut le zombie, il est parti. Hein. C'est pas dans celui-ci le délire avec les STARS ? Bah si, 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 justement, c'est complètement dans celui-ci. Et notre capitaine a disparu. Wesker, Wesker n'est plus. Jill, help me look for him. Let's not... Donc les STARS, pour ceux qui savent pas, c'est l'équipe dont on fait partie, l'équipe de police dont on fait partie. Je vais te défoncer. C'est bon, il a pas spoil, t'inquiète. T'inquiète pas. Donc, il faut faire un petit tour. Hein. Le petit tour, il peut se faire par en haut. On va aller juste voir un petit peu la taille du hall. Hein. Donc le jeu est très 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 labyrinthique. Hein, vous voyez qu'on a une porte ici, par exemple. Il faut d'abord inspecter le hall. Inspectons le hall, il n'y a pas de souci. On va monter et redescendre. Et bonsoir à ceux qui arrivent. Hop. Donc pour inspecter le hall, hein, c'est un script. Il suffit juste de faire le tour de ça. Et le hall sera inspecté.
Je le sens pas du tout. Ça va, pour l'instant, il est calme le jeu. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. Je suis une trouillarde, mais justement, comme disait Maury tout à l'heure, vous vous mettez dans le noir, vous vous mettez avec un casque et vous êtes encore mieux comme ça. Il faut être dans l'ambiance pour les Resident Evil. Il faut vraiment être dans l'ambiance. Ok. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Alors, Barry nous donne un crochet de serrurier et c'est ce qui fait toute la différence entre l'aventure de Jill et de Chris. C'est que dans l'aventure de Chris, non seulement on a moins de place dans l'inventaire, mais en plus on doit trouver des petites clés pour ouvrir certaines portes, ce qu'on n'aura pas à faire avec Jill. Mais comme on aime la difficulté, on se le fera avec Chris en mode plus difficile, après. Merci Barry, séparons-nous, c'est la meilleure des solutions. Hop, donc nous on va inspecter par là-bas, comme il nous a dit. Alors, je vais essayer de pas trop parler non plus pendant le let's play, hein, juste de dire l'essentiel. Parce que ben, ça reste un let's play d'horreur et je veux que vous restiez dans l'ambiance. Alors, on va déjà récupérer ce qu'il y a en haut, comme vous voyez. Il y a quelque chose qui brille, les objets qui brillent, c'est les objets importants. Les objets qu'on pourrait dire de quête. Car c'est vraiment un jeu où il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup fouiller. Bon. Alors je vais pas faire semblant également de pas trouver les trucs. Je sais à peu près où sont les items dans le jeu. Et là, on va avoir un truc très important, c'est la carte. Et vous voyez que déjà le rez-de-chaussée du manoir, c'est grand. C'est très grand. On va aller visiter par là-bas. On récupère un poignard, c'est une arme de défense. Donc là, ils vont m'expliquer comment les utiliser. Hein. J'en ai pas besoin. Hop, petit demi-tour rapide. On va tranquillement sortir. Pas du tout. Augmenter un tout petit peu le son, mais on va faire ça tout de suite. Non, pas tout de suite, en fait. Pas tout de suite, tout de suite. Alors, on va essayer de voir si on peut l'esquiver. Si on peut pas, non, tant pis. On pourra pas. Ce zombie n'est pas important. Ce zombie, on va le laisser nous bouffer. On va garder l'objet. Parce qu'on va avoir beaucoup de soins, donc c'est pas très 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 important. Je vais augmenter un tout petit peu le son du jeu du coup. Toc, je l'ai un petit peu augmenté là, vous me dites. Et on va revenir en arrière. Je suis content, j'ai gardé l'item. Alors on avait une autre porte ici. Donc là le zombie il est coincé, hein. Si je suis sorti c'est pour que le meuble revienne à sa place. Le zombie est totalement coincé. C'est verrouillé, l'emblème d'une épée est gravé sur la serrure. Pour ceux qui ont fait Resident Evil 2 ou qui ont regardé un let's play récemment, vous connaissez le système de clés de Resident Evil. Hein. Il y a 4 clés différentes qui ouvrent chacune des pièces de l'endroit où vous êtes. Et là, on va devoir chercher les clés. Sarah te force pas en effet. Hein. On va retourner du coup par là-bas. Les gens ne sont pas censés se faire transformer, s'ils se font mordre, griffer, etc. Non, parce qu'on a des incroyables herbes dans Resident Evil. Et ça, ça soigne tous les herbes, c'est bien connu. Consommer des herbes, ça soigne tout. Bonsoir, Yoskinator, Sasuke, je ne crois pas que t'aies peur. Alors, on a aussi un bon système dans ce jeu, c'est la visée automatique. Hein. Donc lui, on va le laisser tranquille pour l'instant. C'est le premier ennemi du jeu qu'on a rencontré tout à l'heure, par contre. Notre ami Kenneth. Hop, il a quelque chose dans la main. Prenons-le. C'est une cassette. La cassette qui appartient à Kenneth. Il me faudrait un magnétoscope pour la visionner. Je n'ai pas de magnétoscope sur moi, bien évidemment. Conseil santé de Saku, oui. Les herbes, ça soigne. Sachez-le. Ces angles de caméra, c'est ce qui fait vraiment flipper. Quand on ne connaît pas ce qui se passe. Ça veut dire que là, je ne sais pas ce qu'il y a devant moi. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Prenons des munitions. Et voici celle dont on parlait. C'est les fameuses herbes. Ça fait peur quand la porte s'ouvra. C'est totalement fait exprès.
Alors faut savoir que le système de porte qui s'ouvre par cinématique, c'était pour cacher un défaut de la version PlayStation à l'époque, c'est-à-dire les temps de chargement. Mais ils l'ont gardé dans cette version, pour l'ambiance tout simplement. Il semble être mort sur le coup. Que s'est-il passé dans ce manoir ? Alors vous l'avez vu, je me suis fait mordre. Je suis en état de santé, attention, donc consommation d'herbe, hein, boum, je reviens en état de santé normal. On n'a pas de barre de vie dans le jeu, hein. C'est assez violent, mais on n'a pas de barre de vie, on a juste un état de santé. Et n'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu. Si vous arrivez, c'est un début de série, ça fait toujours plaisir. Alors là, vous voyez, il y a un ennemi à terre. Et celui-là, voilà, hein. Je vous dis pas ce qui va se passer avec lui, mais il y a des choses qui vont se passer avec lui. On va ramasser toutes les herbes. Pour vous montrer ce qu'on peut faire également dans Resident Evil, avec son inventaire, donc vous voyez que mon inventaire est quasiment complet, mais on peut combiner certains objets entre eux. Donc on va combiner tout de suite ça et ça, ce qui nous fait un soin maximum, qu'on peut faire également avec une plante verte et une plante rouge qu'on trouvera plus tard. Alors là, si vous regardez dans le miroir, il y a un zombie. Ah bah, KO. Est-ce qu'il est mort ? Non, il n'est pas mort. Vous voyez que la vise automatique est très pratique pour ça. Est-ce qu'il est mort ? Là, il est mort. Alors, si on passe ici, c'est pour trouver cet item. Qui est une flèche dorée. As-tu une chaîne YouTube perso en dehors de Violence Rainbow ? Pas du tout, mais absolument pas. Alors là, je vais pas vous lire ce qu'ils nous disent, mais c'est pour examiner un objet. Je vais vous le montrer, ça va aller beaucoup plus vite. Quand on a un item, on peut l'examiner, et certains items, eh ben, ils peuvent faire quelque chose. Par exemple, je peux retirer la pointe de la flèche. La pointe est en péridote, aussi appelée l'émeraude du pauvre. Parfait, l'émeraude du pauvre, on apprécie. Ennemi, pas ennemi, hop, prenons les munitions. Oh non, j'ai pas de chaîne perso, ça me servirait strictement à rien. Tac, petit crochet de serrurier qui a été utile, j'ai pu ouvrir la porte. Donc, le fait de ne pas avoir à trouver les petites clés, c'est un énorme avantage avec Jill, vraiment. Alors, on a un ennemi là-bas, vous le voyez. Vous avez vu l'ombre, il va revenir. Allez, laissons-le bouger. On va récupérer ça, quand même. Ça fait toujours plaisir. Lui, je vais essayer de pas avoir à le tuer. On va pousser la statue qui tient quelque chose dans la main, vous le voyez. Toc. On va la pousser dans la salle à manger direct. Le zombie est là-bas, on va le laisser tranquille. Et on va ressortir de cet endroit que je n'aime pas. J'aime pas cette pièce parce qu'on y repasse beaucoup et le zombie est toujours là. Ah oui, pour platiner un jeu comme Resident Evil, c'est très chaud. C'est très très chaud. Donc, on va se servir de notre petite pointe de flèche par cette porte-là. Qui nous amène directement dehors. Avec l'angle de caméra, c'était comique le passage du zombie. Mais ils sont très très bien calculés, les angles de caméra dans le jeu. Ils sont très très bien calculés. Est-ce qu'il y a un ennemi ? Il n'y a pas d'ennemi. Je sais qu'il y a des ennemis ici dans un mode de difficulté plus élevé. Par contre, on a ceci, qui sont des munitions. Deux fusils à pompe. J'entends un ennemi. Hein. J'entends que ça marche, quelque part. J'entends mon chat qui marche aussi, mais c'est autre chose. Hop ! Je connais le jeu, oui, en effet. Je connais bien le jeu. Ça change quoi la difficulté ? Ça change le nombre d'ennemis, ça change leur résistance. Et ça peut être très violent. Hop. Toc. Oh, je vais laisser Rémi modérer, voilà. Et coucou, super porto. Alors ici, on a des emplacements qui vont nous mener à notre première quête du jeu, c'est trouver 4 masques. On va déjà récupérer ceci. Et on va l'examiner.
pour trouver une clé. Grimoire. Les quatre masques. Un masque qui ne parle du mal. Qui ne parle pas du mal. Un masque qui ne sent pas le mal. Un masque qui ne voit pas le mal. Un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les quatre masques seront à leur place, donc vous avez vu les places, le mal s'éveillera. Voilà. Et le mal, vous le voyez au-dessus de ma tête, actuellement. Il est là-haut. Ce sera l'un des premiers boss du jeu. Que l'on combattra tout à l'heure, du coup. Il y a un ennemi, il n'y a pas d'ennemi. Pas d'ennemi, vraiment ? Oh, pas d'ennemi. Ce petit jardin sans ennemi, j'ai pas l'habitude. Très bon jeu de mots, en effet. Hein. Farmer, farm together, tout ça, on apprécie. Examinons notre clé. Une épée est gravée sur la clé. Et donc, j'ai la clé épée. On va donc pouvoir ouvrir les serrures avec une épée dessinée. Ce masque est débloquable dans Zelda Majora's Mask, exactement. Oui, j'avais fait la version PS1 à l'époque. Je n'avais pas la PS1, mais j'avais un pote qui l'avait. Et on flippait grave devant. Et on utilise la clé épée. Et je suis sur PS4 en effet. Ça me faisait plaisir de vous laisser le streamer. Ça me faisait plaisir, j'espère que ça a fait flipper au moins une personne. Où sont les meubles ? Récupérons des petites munitions. Exactement, Rémi, fallait sursauter à ce moment-là. Pourquoi ça s'est cassé ? C'est le vent, il souffle fort. J'en profite pour me prendre à boire, hein, vous m'en voulez pas. Alors, on a un long couloir. Est-ce qu'on va fouiller par ici avant toute chose ? Crochet de serrurier, parfait. Salut, salut, salut tout le monde. Eh bien, salut, Malaiso. Ah, ça aboie. Ah, ça aboie. Hein. Il y a beaucoup d'herbe ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'herbe. Hein. On reviendra. On va revenir. Est-ce que je peux monter le son? Oui, je peux monter encore un peu le son du jeu, n'hésitez pas à me le dire. Comme je rappelle qu'on est sur PS4, le son est totalement différent. Tac, voilà. On l'a un petit peu monté là, bon. Il n'y a pas de son pour l'instant, mais on l'a un petit peu monté. C'est rempli d'eau sale. Vider la baignoire, bah, me paraît une excellente idée. Toujours vider les baignoires. Salut mon ami. Brushing impeccable pour un mec qui sort de l'eau. Hein, rien à dire. Aïe. Douloureux. Elle vient mater dans la baignoire. Elle a pas été déçue. Super. Est-ce que les toilettes vont bien ? Les toilettes n'ont pas été entretenues depuis des lustres. Super. Plaisir. Un petit plaisir. Mince alors, un zombie était caché. J'avoue, c'était assez inattendu. Ce couloir fort sympathique, fort calme. Hein. On va aller ici. Je réfléchis.
Je réfléchis à un truc parce que je sais ce qui m'attend dans cette pièce. Je réfléchis à mon inventaire en fait. Non, ça va aller. Ah non, ça va pas aller. Non, ça va pas aller du tout. Ça va pas aller du tout. Parce que vous voyez ce qu'il y a dans cette pièce, c'est un fusil à pompe. Et j'aime les fusils à pompe. Sauf que celui-là, bah je peux pas le prendre comme vous le voyez. Parce que je n'ai plus de place dans mon inventaire. Alors, je pourrais consommer un soin, mais bon. On va plutôt aller dans la première salle de sauvegarde. Et ne pas toucher au fusil à pompe tout de suite. Voyons voir ce qui nous attend là-bas. Bon, il est loin pour l'instant. Je sais qu'il y a un zombie ici. Tu as fait tous les Resident Evil, ça coup. J'ai pas fait Code Veronica. Attendez. Hein, avant de vous raconter ma vie. Il est mort. T'es où, mon ami? Je t'ai entendu gueuler. Tu es là. Viens, descends, viens voir ton pote. On va essayer de faire un truc. Ça, c'est gratuit, hein. Hé, hey, combien, mec? Combien de balles? Ah bah, normalement, ils étaient spoilés tout seul avec le son, hein, le zombie. Ok. Il se touche presque. On va faire un truc. Tu es censé faire peur, heureux. Tu ne toucherais même pas la manette si tu l'avais en main, Rémi. Je le sais. Alors, déjà, on va récupérer ceci, ça me paraît très bien. On va faire ceci, ça me paraît très bien. Toi, j'ai pas besoin de toi pour le moment. Toi, j'ai pas besoin de toi pour le moment non plus. Hop. Toi, je n'aurai jamais besoin de toi, quasiment. Alors, il y a des trucs qui traînent. C'est une salle de sauvegarde, hein, vous le voyez. En prenant des petites balles. Les salles de sauvegarde, c'est les seules salles qui sont safe dans les Resident Evil. J'aimerais bien prendre ceci, s'il te plaît. Cette fameuse musique, hein, tellement. Une gourde très importante. On va d'abord lire la note qui est ici. C'est pas la lumière de la lanterne qui m'intéressait, c'est ça qui m'intéressait. Pour la destruction des cadavres, nous avons de nouvelles informations sur les créatures. Bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie. Il existe cependant des moyens de les en empêcher. Incinération, destruction des cadavres. C'est-à-dire leur faire sauter la tête, ce qui est très agréable. Ah, vous aurez besoin de quelque chose pour allumer, vous devrez même vous procurer par vous-même. Ok. Alors, ici, on a un truc très intéressant, c'est du kérosène. Je vais rester comme ça pour l'instant, je sauvegarde même pas. Hein. Mais écoute Esteban, ça va très bien et toi? Tête du zombie. Donc, vous l'avez compris, ces zombies qui semblent morts ne sont absolument pas morts en réalité. Et ils peuvent revenir à la vie à tout moment. Et ça peut vite devenir très très embêtant. Du coup, hop, on déverrouille cette porte-là. On va trouver un moyen de les brûler. Parce que quand ils reviennent à la vie, ces zombies, c'est pas des petits zombies, hein. C'est du bon gros zombie. Passons par cette porte-ci. Alors, normalement,
normalement, si je dis pas de bêtises, ici, nous avons un briquet. Ah non, c'est pas le briquet qu'on a ici. C'est pas encore le briquet, ça c'est le sifflet pour chien. Tu le prends, Gilles, ou... Voilà. Non mais... Alors, aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici. Personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse, et devrait appliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène, en effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher de ce maudit cerbère sans risquer d'y laisser sa peau, ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Évidemment, on aura plein de récompenses. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps ? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Voilà. Donc, eh ben, on va devoir chercher un petit chien. Ça va être un plaisir. On a beaucoup de balles. Hein. Là, profitons-en. Ah, on a le briquet qui est ici. Alors, j'ai la flemme. Je vais donc consommer lâchement cette herbe. J'ai la flemme de faire un aller-retour pour la première fois et pas la dernière. Alors, on va regarder un petit peu la carte. Donc là, j'ai encore quelque chose à trouver ici. Ça doit être une note qui est ici. L'usage des plantes médicinales. Donc ça, ça me m'explique comment utiliser les plantes. Ça, je vais vous l'expliquer en cours de jeu. C'est pas très intéressant. Là, ça, elle est passée verte. Ça veut dire que je n'ai plus rien à trouver ici. Gentil toutou. On verra s'ils sont gentils. Alors on va tenter un truc, on va essayer de brûler les deux zombies en même temps, ce qui est pas facile facile. Non, c'était pas possible, il se touchait pas assez je pense. Tant pis, on va brûler lui aussi, hein. On se fait plaisir. Voilà. Ces deux zombies ne reviendront jamais à la vie. Plus redoutable que la mienne. Ouais, sûrement. Enfin, jamais plus redoutable. Ouais, quoique. Quoique. Quoique, quoique. On va se re-remplir de kérosène. Non, je veux pas sauvegarder tout de suite. Je veux me remplir de kérosène, s'il te plaît. Toc. Et si on se faisait notre première sauvegarde? Alors le... Toi, j'ai pas besoin de toi tout de suite. Toi, je n'ai pas besoin de toi tout de suite. Toi, je vais avoir besoin de toi. Mais pour l'instant, je vais quand même te laisser ici parce qu'on va aller chercher les trucs qu'on n'a pas encore pu trouver. Toi, la même. Toi, la même aussi pour l'instant. On va juste garder notre petit pistolet. Ouais, on va faire ça. On va sauvegarder au cas où. Toc, première sauvegarde du jeu. Que ce serait idiot de mourir. Il n'y a aucun checkpoint hein, dans le jeu. Ça veut dire que si vous mourrez, c'est direct à la dernière sauvegarde. Hop, je sauvegarde mais sur mes anciennes sauvegardes. Hop, tac. Les sauvegardes sont longues. Hein. Allez, allez, allez. Allez au jeu, parfait. J'ai plus besoin de ça. Non, je veux pas le kérosène. Il n'y a aucun souci là-dessus. Une répète à ça, ça fait de sang. Bonsoir tout le monde et bonsoir Grievous. Voilà, les zombies ont disparu. C'est la bonne nouvelle du jour. Cette porte, c'est le diable. Parce qu'elle peut se casser à tout moment. Ouvrir tout de même, oui. Ouais, c'est, je crois qu'Exos qui a un truc identique, mais je sais plus s'il y a un rang dans Resident Evil 1. Pourtant, je l'ai fini il y a pas longtemps. Hein. Je crois pas qu'il y ait de système de rang. Je sais plus. Je m'en suis pas rendu compte. Eh ben, on avait un objet à trouver ici, vous vous souvenez? Moi, je me souviens. Et je suis content de le trouver. Il
Il y a un système de rang, bah, je l'avais totalement zappé. Allez, on va aller se chercher notre petit fusil à pompe. Mais, quand on va le prendre, vous allez remarquer un truc, là où il était posé. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire si vous jouez avec Chris. Vraiment. Vraiment, je vous le déconseille. Avec Jill, le jeu est plus gentil. Ah, on a déclenché un piège. Ah. Ah, le petit plaisir. Mais bon, pas grave. La porte est accessible. Ah, elle ne s'ouvre pas. Ah, elle ne s'ouvre pas. Oh God, what did I do now? Wesker, Barry, help! Jill, you in there? Barry, get me out of here. The door's jammed. Stand back. Heureusement que Barry se promenait là par le plus grand des hasards. Chris est automatiquement écrasé, exactement. Chris ne peut pas s'échapper du piège. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Merci Barry. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Ok. On avait des herbes à récupérer également. Merci Barry pour ce petit plaisir de la vie quotidienne. Si tu pouvais me donner ton arme aussi, ça m'arrangerait. Étrange ce baril, ça va. Alors, les chiens. Ils vont peut-être être embêtants. Voilà, comme ceci, mais c'est pas grave, on a des herbes. Ah, il a roqué. Super. La mer. On est venu pour les herbes à la base, hein, de toute façon. Ok. Voilà, on a deux full soins du coup. J'aurais dû prendre le kérosène ici plutôt que le prendre dans la salle de sauvegarde. J'aurais dû y penser. Parce que je n'ai pas envie de revenir ici. Grosse fiesta avec toute l'herbe que tu ramasses. Vraiment, il y a toujours un mec au bout du couloir là-bas. On va le laisser. On va aller faire un petit tour dans le coffre. Tout de suite. Alors, tac, 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 ça on va le mettre ici. Est-ce que ça vaut le coup de me soigner? Je pense pas parce que je vais trouver des herbes, il me semble. Toi, j'ai besoin de toi. Prendre les deux, ça m'embête un peu. On va les laisser ici. Ah, je vais peut-être récupérer ma clé épée, en fait. Suis-je bête? J'ai failli partir sans ma clé. Et ça, partir sans la clé dans Resident Evil, c'est problématique. J'ai mes zombies, tu as juste trouvé de l'herbe et halluciné. J'ai vu la vidéo du joueur du grenier aussi. Hein. Je l'ai vu. On va aller visiter le bout du couloir qui est là-bas. Ça, si j'ai pas de bêtises, on ne peut pas l'ouvrir. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravé sur la serrure. Donc il nous faut la clé armure, vous l'aurez bien compris.
Oh, la fiesta. Oh, la grosse fiesta. Hop, on va tout récupérer. On va se faire plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, au moins 10 ans. Il faut être motivé pour le finir en 2019, courage Saku. T'inquiète pas pour moi. T'inquiète pas, je l'ai déjà fini en 2019. Ah mais je suis débile, j'ai pas pris le briquet. Bah c'est bien ballot ça. Est-ce que je peux quand même mettre mon truc? Cheminée sans feu. Ouais, je peux le poser. Ok, on va aller récupérer le briquet. Hein. Les allers-retours, c'est vraiment Resident Evil. Mais ça quand on est débile, hein. Voilà ce qui se passe. Mais c'est vrai que le jeu est pas facile pour un nouveau joueur de 2019. C'est un jeu qui est assez exigeant. Là, vous voyez le début du jeu, mais il se corse hein, le jeu. Fusil à pompe. Est-ce qu'on le garde? On va le garder pour l'instant. Quoique. Quoique. On va prendre ça plutôt que le fusil à pompe. On va un peu brûler les ennemis. Oui, en herbe, ça va, je suis bien. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'ennemis pour l'instant. C'est la version remake qui était sortie sur GameCube à l'époque et qui est ressortie sur les consoles actuelles. Et qui ressortira sur Switch le 21 mai, si je dis pas de bêtises. Alors ici, on devait allumer un feu, comme dit notre ami Johnny. Voilà. Une carte, la prendre, oui. Ok, alors on va quitter ça. Vous avez pris la carte, c'est très bien. On va regarder un petit peu notre carte, justement. Donc le premier étage, on a beaucoup de portes qui sont encore fermées. On va retourner ouvrir la porte qui est en bas à gauche, à côté de la porte bleue, la porte rouge qu'on peut ouvrir pour découvrir une nouvelle aile du manoir. Et bon, on va y aller tout de suite, hein. On perd pas de temps. Pardon, qu'est-ce que je viens de faire? Je me disais aussi, c'est plutôt joli pour l'époque, mais c'est un jeu qui date de 2002 quand même. Hein. Je le rappelle. Ça, ce que vous voyez, c'est lissé en HD, mais ça date de 2002. Et il était déjà magnifique à l'époque. On va rester comme ça pour l'instant. C'est bien le 21, mais oh, je suis vraiment fort. Ouais, il sort à 30 euros. Et ça, pour un jeu de 2002, c'est fort aussi. Hein. Est-ce qu'on a des trucs à trouver dans ce couloir? Non, tout est trouvé dans ce couloir. Je vais dans le mauvais sens. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure. Cette fameuse clé armure. Pas d'ennemis. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure. On va devoir trouver de la clé armure. Le manoir est grand. Ouais. Mais c'est qu'une partie du jeu, le manoir. Coucou, Barry. Barry. Cette violence. L'enfer pour le ménage. Il faut un robot aspirateur. Non. It's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on. Séparons-nous. C'est ma meilleure idée, Barry. What? A can of fizz. Une petite canette, ça fait plaisir, mais c'est pas n'importe quelle canette. It's yours. C'est des très bonnes canettes. Des grenades acides. J'aime beaucoup ce genre de canette, Barry. Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Et oui, tous les Resident Evil de la Switch sont vendus 30 euros. Ce qui est juste abusé de la part de Capcom. Mais vraiment. Eh bien, bonne soirée à toi, John. Alors. Où t'es, mon ami? Tu viens par là? Ok.
Est-ce qu'on a un truc à trouver ici encore? Non, plus rien. T'es bien là-bas? Oui, t'es bien là-bas. Ok. Ouvrons cette porte. Clé épée. Alors... Vous l'entendez? Moi, je l'entends. Il veut pas venir, hein. Il est encore vivant. Mais je suis protégé par la barrière. Je suis un peu deg, j'ai aucun coup critique depuis tout à l'heure, il n'y a aucune tête qui saute. Personne ici? Si, il y a bien quelqu'un. Ah d'accord. Bon. Je recharge à mon ami, je prends mon temps. Ah ok, je peux pas le toucher de là. Super. Ah bah voilà. Ah, il fallait bien qu'on en fasse un. Quand même. Quand même, quand même. On dirait qu'il est mort depuis quelques heures. Ce zombie ne réapparaîtra plus du coup. Il est définitivement mort, contrairement à celui qui est en haut. Si le cas ne sort pas en version physique, je boycotterai le jeu, même si c'est mon Resident Evil préféré. Je peux comprendre. Vraiment, je peux comprendre. Mais pour moi, ça me va qu'il sorte en démat, pour le coup. Ça, j'en ai pas besoin, mon ami Barry. C'est très gentil de ta part, par contre. Par contre, le sifflet pour chien, je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin du sifflet pour chien. Je vais très sûrement avoir besoin de mon fusil à pompe. Que je vais mettre ici. Ça, je vais les mettre un peu plus haut. Il y aura des soins là où je vais aller normalement. Ok. Je me suis sûrement pas laissé à cette place. Mais lui, je sais pas si je le brûle ou pas. Par contre, lui, je sais que je veux le brûler. Je vais m'équiper, si vous le permettez, du fusil à pompe. Ok, j'avais pas besoin... Je sais plus combien ce qu'on a trouvé là-dedans. Donc dans le doute, je vais vider mon inventaire. Quoique je pense qu'il n'y a rien d'autre que le fameux item utile avec le sifflet pour chien. Effectivement, dans la version VS, c'est le 0 qui sera sur cartouche et le 1 qui sera toujours en téléchargement. Voilà. Je vais juste garder ça pour l'instant. J'aime vraiment pas le dématch, j'évite ça le plus possible, perso. J'ai juste besoin de posséder physiquement les jeux. Même pour le prêter, le revendre, ce sera difficile en dématch. Je peux vraiment le comprendre. Moi, maintenant, j'ai préféré largement le dématch, mais... Bon, il y a quelques années, j'étais pareil. Hein. C'est vraiment juste par raison pratique maintenant que j'utilise quasiment full des maths. Allez. Allons voir nos amis les chiens. Je sais que vous en rêvez. Alors avant d'appeler mes amis les chiens, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Et si je dis pas de bêtises, en fait, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand chose. Il y a juste cette porte qu'il faut déverrouiller. Tac, voilà. Bah, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'on avait. Bon. Bah, vous êtes prêts? Parce que c'est parti, hein.
J'ai soufflé dans le sifflet pour chier. Ah, je supporte pas. Les chiens sont ultra durs à voir. Je l'ai touché, on voit la tache de sang, mais... C'est des plaies. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouf. Alors ça, c'est des herbes qui nous soignent, mais on peut pas les prendre. Tac. Herbe utilisée. C'est bon. Collier. Un petit collier pour chien, bien sympathique, que nous allons tout de suite examiner, parce que le jeu nous a appris à le faire. Appuyons sur le bouton. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Une sorte de bijou était caché dans le collier. Bijou. Oh, examinons le bijou. Ça devient une clé. Ça, c'est totalement Resident Evil. Hein. C'est totalement Resident Evil. Alors, une clé, elle n'est pas assez rigide pour être utilisée comme telle. C'est donc une fausse clé. Imitation de clé. Ok. Oui, je vais jeter mon sifflet pour chien. J'en ai rien à faire. Ils sont dans le futur pour les énigmes, complètement. Alors là, c'est totalement le futur. Alors, est-ce que vous vous souvenez de quoi on parlait tout à l'heure en termes de zombies qui reviennent à la vie? Eh ben, c'est parti, hein. Cette porte, je peux pas l'ouvrir. Celle-là, je peux l'ouvrir, par contre. Là. Là. On a notre ami qui est ici. Alors, je risque de prendre des tatanes, mais... Voilà. C'est les fameux zombies qui se... Il est pas mort. Vraiment. Oh, le lourd. Oh, le lourd. Oh, le lourd. Là, il est mort. Il est mort, mais j'ai plus de munitions de fusil à pompe, déjà. Des clés partout. Ah bah, ça, on n'a pas fini. Des clés et des portes partout dans ce manoir. Hein. Alors, ici, on a une clé. Très intéressant. Celui qui s'empare de l'emblème trouvera la paix dans la mort. C'est encourageant. Prenons. Pas facile en effet. Ah. 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 Voilà à quoi nous servait notre fausse clé. J'ai loupé une petite dizaine de minutes. Oh bah t'as loupé les chiens. T'as loupé des pièges. T'as loupé les zombies qui se relèvent. Ah il faut pas louper. Ah c'est dangereux. Ça on le dit tout le temps. Ça, on peut pas l'ouvrir, je pense. On est même d'un casque. C'est la première fois qu'elle est évoquée, cette clé casque. Je crois que j'ai tout trouvé ici, hein, du coup. Hop, retournons. T'as loupé que je n'ai plus de munitions, du coup, de fusil à pompe. Ah bah, t'as loupé les chiens. Mais t'inquiète pas, hein, on en aura d'autres. J'étais une mission biberon, je peux comprendre. Ah! Ah! Ça, c'est les problèmes qui s'annoncent. je quitte. Je ne veux pas que tu te relèves. Ah, regardez la porte. Regardez-moi. Oh, qu'il est beau. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Là, je pense qu'il est mort. Oui, il est mort, c'est bon. C'est très bon. Il commence à y avoir de l'ennemi, là. Il commence à y avoir un peu d'ennemi dans ce manoir. Bon, ça, c'est des zombies très intelligents. Alors... Toi, on va te poser pour le moment. J'ai plus de munitions de toute façon. Toi, on va te prendre. Toi, on va te prendre.
toi on va te prendre. Et toi on va te prendre. J'ai du soin. Le soin, ça manque pas. On va rester comme ça pour l'instant. De toute façon, je vais avoir besoin des clés. Pensez à faire le tour au lieu de bugger contre la barrière. Non mais ça reste des zombies. Hein. Faut pas trop leur demander. Je vais aller brûler l'autre avant toute chose. Parce qu'il va m'embêter sinon. Ah ouais, je suis du genre à brûler les cadavres. Hein. Histoire d'éviter les mauvaises surprises. Je sais que ça pourrait amuser certains d'avoir des zombies qui courent partout. Mais bon, on va éviter pour le let's play. En fait... Ouais, je vais poser les trucs. On va devoir faire un aller-retour, mais ça me paraît nécessaire. Du coup, on va poser ça. On va poser ça pour l'instant, on va revenir. Je vais poser ma clé épée pour l'instant, je vais garder l'autre. Je reviens. Salut le chat, salut Saku, et bien salut Obi-Wan Kenobi. En haut du fight, il y en aura. Il va y en avoir. Crochet de serrurier. Et clé du manoir. Ah oui, on n'a pas regardé quelle clé j'avais obtenue. On l'a pas du tout regardé. C'est la clé armure, la fameuse, qu'on voyait partout. Qui va donc nous ouvrir les portes nécessaires. Et bonsoir à ceux qui arrivent. Vous arrivez au bon moment. Alors, ici on a un objet incroyable. C'est une pile. Qui va nous permettre d'électrocuter certains zombies. Ce qui est toujours appréciable. Un fusil cassé qui nous permet de récupérer le fusil à pompe avec Chris. On a, si je dis pas de bêtises, des rubans ici, voilà. Et on a surtout ici du kérosène. Tac, voilà. Mon prochain achat sur Switch sera sûrement Zelda Breath of the Wild. J'ai récemment commencé avec Ocarina of Time et Wind Waker HD. Je kiffe cette licence. Bah, t'as bien raison. T'as parfaitement raison. Alors moi, c'est pas du tout mon Zelda préféré, Breath of the Wild. Mais il y en a beaucoup qui aiment. Lui, il va se relever à un moment ou à un autre. Hein. On le laisse pour le défi, mais il va se relever. Hein. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis débile ? Oui, je suis débile, mais est-ce que c'est grave ? Non. Alors ça, c'est un objet de quête qui va pas nous servir. Je l'ai juste pris pour le plaisir. Je réfléchis à quoi je pourrais avoir besoin. Parce que là, je sais où je vais. Et je vais sûrement avoir besoin de place. On va rester comme ça, je pense. Prendre ma substance chimique. Je crois qu'on va rester comme ça. Eh bien, salut FNAF Gaming. Enfin, FNAF Game, plutôt. Lui, je le surveille à chaque fois que je passe. J'aime pas l'endroit où je vais. Je vous le dis tout de suite. Je n'aime pas du tout. En plus, j'ai pas été récupérer le rubis bleu. Donc c'est ballot pour moi. Est-ce que c'est ouvert ici ? Tac, on déverrouille. Alors ça, si je dis pas de bêtises, ça nous ramène vers la salle à manger. Eh ben, ça tombe très bien. Ça tombe très très bien. Le prix est un peu abusé, mais je vais prendre le 4 possiblement. Le prix est vraiment clairement abusé, mais vraiment. Toi, tu restes là, hein. J'ai pas envie de t'embêter. On n'est pas potes. Parce qu'on devrait passer un moment ou un autre. Ça
Ça vient de la statue qu'on a fait tomber tout à l'heure. Vous l'aurez reconnu. Ouais, Capcom a vraiment, vraiment abusé au niveau des prix. Je sais pas ce qu'il leur a appris de faire ces jeux à 30€. Oui, par contre, quand ils seront en promo, prenez-les. J'espère qu'ils seront à 50%, comme tu dis, mais même à 20€, ça vaut le coup. Que je dise pas de bêtises, je peux aller ici. Y'a rien ici. Un petit poignard. Alors, on a la salle de Fort Boyard avec la tête de tigre ici. C'est tellement Fort Boyard. Hop. Ah, inutile d'utiliser ceci maintenant. Pardon, excuse-moi. Ah, inutile d'utiliser ceci maintenant. D'accord, excuse-moi. Pourquoi tu veux pas que je l'utilise, hein? Faut que je sois de ce côté-là, c'est ça? Oh, le lourd. Oh, le lourd. C'est bon, lumière bleue et jaune. Je bouge plus. Super. Il y a souvent des promos sur les shops, c'est cool. Ouais, et effectivement, il y en a sur les Resident Evil qui sont déjà sortis sur Switch. Il y en a souvent. Donc je pense que ceux-là seront aussi en promo à un moment ou à un autre. Deux petites cartouches de fusil. Filindra tête de tigre, mais c'est exactement ça. Et bon, on va aller faire cette pièce-là. Cette sympathique chambre, hein, vous le voyez, qui... Voilà. Hein, vous avez compris. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin. Je vais clairement pas vous faire un dessin de ce qui va se passer. Hein. Bon, on n'a pas le choix, hein, de toute façon. Faut le faire. Journal du gardien. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott, Steve le chercheur, et alias le garde. Steve a beaucoup gagné, mais je pense qu'il a triché hors dur. Oh, pardon, je t'ai passé. Aujourd'hui, un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un autre monstre qui ressemble à une sorte de gorille dépecé. Sympathique. Il m'a dit qu'il fallait nourrir les animaux vivants. Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé par jouer avec, puis il lui a arraché les pattes et les viscères avant de commencer à le dévorer. Vers 5h du matin, Scott est venu me réveiller. Il m'a vraiment fichu la trouille. Il portait une combinaison de protection. Il m'a dit d'en enfiler une moi aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le labo du sous-sol. Il y a donc un labo dans le sous-sol. Je savais que ça arriverait un jour, ces imbéciles de chercheurs ne dorment jamais, même pendant les vacances. Je porte cette saleté de combinaison depuis hier, j'ai la peau sale et ça me démange, les chiens me regardent d'un drôle d'air. C'est la belle vie hein, que tu as mon ami. Je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit qu'il n'avait plus besoin de porter de combinaison. Je n'ai qu'une envie de dormir. Lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied, les chiens ont un calme. Je me suis ensuite aperçu, il est en train de se transformer en gros. Si quelqu'un s'aperçoit, je vais passer un sale quart d'heure. J'ai entendu dire qu'un chercheur avait tenté de s'échapper du complexe, a été tué la nuit dernière. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. J'ai gratté mon bras en frais. Un morceau de chair putréfiée est tombé. Bon sang, que m'arrive-t-il? Plus de fièvre, mais dès que je mangeais, ils ont très faim aujourd'hui. Manger, nourriture des chiens. Scott venu à tête. Alors je l'ai tué, délicieux. Voilà. Un petit plaisir. On n'a pas le choix, hein, lui. On est obligé de se le prendre quasiment. Et lui, on peut l'esquiver et boum. Alors. Tu comptes faire le 2 après, rassure-moi. Oui, je compte faire le 2. Je compte le faire. Alors, à tout moment, les zombies peuvent sortir également. Ce qui est un autre plaisir. On va aller d'abord ici. C'est comme sur GameCube, faut cramer les zombies exactement. C'est comme sur GameCube. Ce jeu me fait tellement flipper qu'il a fallu une heure pour faire ce que j'ai fait en plus d'un an, tellement je joue rarement au jeu. Mais oui, je peux le comprendre. Je peux vraiment le comprendre. À moi, quand il est sorti à l'époque sur GameCube, je flippais de le faire le jeu. Et pourtant, je l'avais fait sur PS1.
Alors ici, on va démolir une plante. Comme il faut. Il faut pomper un max sur le rouge. Il a été remasterisé aussi. Oui. Ouais. Et oui, Mori. Tu n'as plus ton Kirby. Je suis très triste. Je suis vraiment triste. Cette plante nous empêche de passer. Donc c'est pour ça que nous la tuons. Toujours tuer les plantes. Il me semble qu'il y a beaucoup d'herbe ici. Toujours plus. Toujours plus. Hop, on va prendre ça aussi. Et on va le combiner. Et vous voyez qu'il y a un truc très très intéressant au fond. Qui est le premier masque que nous devons trouver. Masque mortuaire. L'original sur PS1 m'a traumatisé quand j'étais petit. Il a traumatisé beaucoup de monde, hein, t'inquiète pas. C'est complètement normal. Coucou mes amis! Ils sont trop loin, tu vois. Allez, une. Bon, tant pis pour lui. Ok, on a eu une tête. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien. Et bonsoir, Minrin. Ah, ça fait toujours plaisir, hein, les petits headshots aux zombies. Ça fait toujours son petit effet. Je dois l'avouer, j'aime beaucoup. Ça va mon ami, t'es toujours... ouais, ça va, t'es toujours mort. Le sim des canons. Très bon, Sasuke. Ouais, très bon. Alors, niveau herbe, on est pas mal. Hein. On est clairement bien. Toi, j'ai pas besoin de toi tout de suite. Toi, j'ai besoin de toi. Car on va aller fracasser deux ennemis. Ah mais les headshots, ils font toujours plaisir dans ce jeu. C'est genre le soulagement, tu sais que tu as fini le zombie. Et quand tu connais la suite du jeu, tu es content de finir les zombies. Savoir que le jeu n'est pas très gentil, hein, de base. Toi, alors toi, je vais te cramer comme il faut. Avec un plaisir non dissimulé. Il faut pas marcher dans le feu, hein, ça nous enlève de la vie, bien évidemment. Ils sortent pas les deux de leur pièce, là ? Non, ils sortent pas. Ah bah oui, très content. La parodie du joueur du grenier avec l'herbe étoile, elle est énorme. Tu veux pas perdre la tête toi aussi? Non, il a pas eu envie de perdre la tête. C'est légèrement triste pour moi. Je vais essayer de pas me cramer quand même. Voilà. Alors, je commence à perdre beaucoup de balles. Hein. Là, vous voyez que j'avais pas mal de balles. Il m'en reste encore, ça va, mais ça commence à descendre. Armure utilisée. Et je vais normalement utiliser pour la dernière fois ma clé épée ici. Clé épée, vous n'avez plus besoin de cette clé, la jeter complètement, car le jeu est gentil pour ça. Pas ouf, j'avoue, pas ouf. Non, j'avoue, pas ouf. Et ces petites bêtes là. Ok, munitions, morceaux de viande, munitions pour pistolet,
On n'a plus rien à trouver ici. On a un copain qui va jamais se réveiller, bien évidemment. Il y a un ascenseur ici, mais l'alimentation est coupée. Je crois qu'il y a un passage ici. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Voilà, on n'a plus rien à trouver dans cette magnifique cuisine. Je vous conseille de cuisiner là-dedans. Attention. 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 Pourquoi tu stream tellement bien ? J'avoue. Bon, par contre, ça reste le zombie le moins efficace de la Terre, puisque un petit tour de table et on n'en parle plus. Hein. Et sacrément con. Hein. Oh, ça reste un zombie. Hein. Ouais. Ouais. Même avec l'alimentation électrique, jamais je monte dans cet ascenseur. Est-ce qu'on aura le choix à un moment ou à un autre? C'est ça la question. Alors, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? C'est pas du tout là ça que je voulais regarder. C'est ça que je voulais regarder. Il nous reste un truc à trouver dans la salle à manger. Et il nous reste des portes à ouvrir, surtout à l'étage. Je pense qu'on va aller retourner à l'étage. Ça vaut pas le coup que j'aille maintenant ici, on est d'accord? Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut clairement pas le coup. Ouais, je ferai le zéro aussi. Pas tout de suite, mais on le fera. Celui-là, je pense que ce sera quand il sortira sur Switch. Le 1, j'avais envie d'avancer. Parce que c'est mon préféré. Et j'avais envie de le faire enfin en stream. Il est trop bien, ce Resident Evil. On va tranquillement remonter à l'étage. Ok. On va prendre quelque chose qui, je pense, va vous faire plaisir. Hein. Ici. 100% exploration, je sais pas. Je sais pas du tout, franchement. Je prends le maximum, en tout cas. Je compte pas prendre juste ce qu'il faut pour l'aventure. En gros. Alors ça, c'est les trucs de munitions le plus chiant à prendre du monde. Le plus chiant. C'est à chaque fois une galère pas possible. Il est horrible. Je veux les munitions. Alors... Oh, passons la cinématique. Forrest a rendu l'âme. On dirait qu'il est mort depuis un bout de temps. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Forrest. Et qu'il a un lance-grenade. Que nous allons équiper de ce pas. Car Forrest, on sait ce que font les gens qui s'appellent Forrest dans la vie. On les connaît par cœur. Ça court les Forrest. Et lui, il court. Que Forrest est mort. Oh, est-ce que j'aurais coup critiqué Forrest? Ah oui, apparemment. Apparemment. Nice. Il faut savoir qu'il existe un mode de jeu quand vous avez fini le jeu où Forrest vous suit dans tout le manoir, enfin quasiment tout le manoir, et vous ne pouvez pas lui tirer dessus parce qu'il est armé d'explosifs et tout explose si vous lui tirez dessus. C'est un mode très très appréciable. Ah, je pensais pas le tuer en un coup. Quel héros ne compte pas tu faire ça le 4. Je le laisse à Yeoman, très largement. On va aller par ici. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire? Je pense qu'on va déverrouiller cette pièce. On va déverrouiller cette pièce. Et on va retourner ici. Le kamikaze, c'est exactement ça.
J'aime bien le mode forest, c'est rigolo. Ça change un petit peu. Voilà, on a déverrouillé de la porte, hein, là. Par contre, on va devoir aller faire un tour dans l'inventaire et peut-être sauvegarder, ce serait pas mal. Hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé. Ah, il y avait un petit mot. On le lira après. Bonsoir, nouvel abonné, un bon Resident Evil, ça fait plaisir. Eh ben, merci Eric. Bienvenue à toi. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne ce soir. Barry, tu régales, mec. N'hésitez surtout pas. Ça fait toujours plaisir. Alors Barry, il nous a totalement régalé. Hein. Ça, on va le mettre ici. Attends, on va te mettre ici. Je fais un peu mon ménage. Hein. Les objets de quête, je vais les mettre en bas. Là, on s'est fait rincer par Barry, hein, comme il faut. Alors Barry nous a laissé des munitions. Barry nous a laissé des grenades et deux soins. Pouf ! Oh là 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 là, Barry. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est absolument pas ça que je voulais faire. Et bah du coup, je vais prendre mes rubans parce que je voulais les prendre de toute façon. Non, bonsoir petit, c'était bien. Double spray pour plus de plaisir. Les soins, on va les mettre en haut. Hein. Pas se casser la tête. Et ça, on va les poser aussi. T'as Barry. Barry, c'est le vrai frère, hein, là. Il n'y a pas à dire. Ah, j'ai plus d'armes équipées. Voilà, on est bien. Ne parle pas à toi. Pardon, excuse-moi, c'est bon. Excuse-moi, petit. Hein. Oui, sauvegarde réussi. Bravo le jeu. Tu es très fort. Alors, les rubans, ça se pose. De quoi je pourrais avoir besoin? Du briquet, je pourrais avoir besoin à tout moment. Fusil, on va garder pour l'instant, on va pas se casser trop la tête. Est-ce que je prends un soin avec moi? Non, non, je prends pas de soin avec moi. Pas tout de suite. Est-ce que je peux encore prendre du kérosène là-dedans? On verra après. Parce qu'on va revenir ici. Tiens, regardez, on va voir le petit mot que nous a laissé Barry. J'ai laissé des munitions dans la salle de droite. Utilisez-les en cas de coup dur. Merci mon ami Barry. Le vrai frère. Le vrai. L'unique. Alors, je sais où sont les masques, donc on va aller les chercher tout de suite. Oui, j'ai toujours besoin du briquet de l'essence, mais là, normalement, il n'y aura pas de zombies où je veux aller. Normalement. Et je dis bien, normalement. Et là, on va se taper une énigme Resident Evil-esque. Voici. Alors, je n'ai jamais la mémoire desquels il faut mettre en premier. Donc, on va le faire au hasard. Une. Il faut que toutes les statues soient poussées. Ça paraît simple comme ça. Ça me paraît pas mal. Non, c'était pas ça. De mémoire, c'est pas ça. Non, en effet, c'était pas ça. C'était pas ça. Savoir qu'il y en a deux qui sont connectées entre elles. Peut-être ces deux-là. Hein. Oui, c'était ça. Maintenant que les quatre statues sont replacées, on peut appuyer sur le bouton qui est au milieu. Je sais plus ce que ça fait quand les statues sont pas replacées, si ça fait... Malheur à ceux qui osent troubler mon sommeil. Il y a un bouton appuyé dessus. Oui. C'est bon. Je sais plus ce que ça fait si ça libère un gaz ou quelque chose comme ça. Boîte mystérieuse. Boîte à bijoux.
que nous allons tout de suite examiner. Il y a du gaz qui sort, c'est exactement ça. Tu meurs empoisonné. C'était ça. C'était ça. Je sais plus sur lequel il faut appuyer, s'il faut allumer... Je crois que c'est celle-là qu'il faut allumer. Et peut-être celle-là. Oui, c'était ça. Ok, faut allumer le soleil, c'est bien ça. Alors là, je le fais totalement de mémoire. Hein. Je suis pas magicien, c'est juste que je connais les énigmes. Ok, deux masques obtenus. Wario lâche une caisse, c'est un peu ça. Et si on allait dans cette petite salle que nous n'avons pas encore explorée ? Ah, les petites cinématiques. Richard, what happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake, and it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Il faut effectivement l'antidote. Il faut savoir qu'on a 4 minutes pour le sauver, mais c'est pas affiché. Alors ça nous dit où est l'antidote, on va y aller tout de suite. Il est foutu. Écoute, j'ai du run. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Et je connais le chemin surtout. On va passer par ici avec notre ami le zombie, vous le savez. Rip Richard, vous êtes pas gentil. Hein. Ah, vraiment. Ah, vraiment, la sympathie. Waouh, c'est en option ici. Je sais pas où il est. Hein. Ok, je fais le tour. Rip Richard. Alors faut savoir que Richard, c'est pas très très important, il me semble, de le sauver, hein, si jamais. Il faut aspirer la plaie, bah n'hésite pas. Hein. Alors là, vous comprenez pourquoi c'est bien qu'on ait tué tous les ennemis, ici. Parce que la plaie là de Richard, il y a beaucoup à aspirer. Hein. Bon, excuse-moi Richard, hein, je prends mon temps, hein, mais je pose ça, si ça te dérange pas. Ouais, de toute façon, si ça te dérange Richard, hein, c'est pas grave. Oui, je récupère quelque chose si je le sauve, c'est vrai. Et c'est quelque chose que je veux, c'est pour ça que je vais le sauver d'ailleurs. Allez Richard, tiens bon Richard. On arrive, t'inquiète. Salut. Ça généralement c'est le zombie que je laisse tout le jeu ici. Hein. Ouais, non il en aura plus besoin. Sacré Richard. Le bon Richard, comme on l'appelle dans le milieu. Hein. Est-ce que j'ai mon briquet? J'ai mon briquet, ok. Excuse-moi Richard, hein, je fais mon inventaire. T'es pas pressé? Il est sauvé. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Vous voyez, on l'a sauvé, là. Vous êtes médisant. Oh, vous êtes pas gentil. Here's my radio. Take it. I'm... Does it ever not hurt? Ah, c'est le moment de se poser ce genre de questions, mon ami Richard.
Je te laisse tes petites herbes, hein. T'en fais ce que tu veux. Alors, on va au-devant de grands problèmes là. Mourir? Mourir un jour, ça te dit? Là, ça lui a dit, ça y est. Nous, on va le laisser, il va se transformer. Il n'y a aucun problème avec ça. On va aller ici. C'est ici que c'est nous, ça nous intéresse. Alors. Ils sont résistants quand même dans ce mode de jeu, les zombies. Je pensais qu'ils le seraient un peu moins. Mais absolument pas, en fait. Mais si, c'est utile d'utiliser. Tu vois pas qu'il y a des chandelles ici et qu'il fait très noir. Le jeu est lourd quand il fait ça. Voilà. Alors, question. Question. Oui, le chat. Moi, ouais, j'ai plein de questions aussi. Est-ce qu'il y a des trucs à trouver? Oui, il y a des trucs à trouver. Alors, ça m'embête. Ah, pardon, c'est de l'autre côté. Ça m'embête de ne pas avoir le fusil à pompe ici. Mais bon, écoutez, on fait ça. Hein. Je sais qu'il y a un zombie là-dedans. Hein. Je vais pas vous gâcher la surprise. Mais je sais qu'il est là. Et mourir, toi aussi, ça te dit? Mais, on va faire combien de tours? Non mais. Partition musicale. Lui, on va le laisser là. Tranquille. Tranquillement. Oui, le chat. Lui, c'est une très bonne idée de le laisser. Je le sens. Mais je le sens que c'est une très bonne idée de le laisser. On va au-devant de grandes déconvenues, là. Je prends les herbes, hein, mon ami. Ne me dérange pas. Au début, je voulais te laisser, mais bon. La crise. Pour moi, c'est le meilleur remake de l'univers du jeu vidéo. C'est un des meilleurs, pour le coup. Ça, c'est sûr et certain. Alors, il nous reste quelques trucs à faire avant de combattre notre premier boss. Et on va aller récupérer un objet ultra important pour la suite de l'aventure. Et qui n'est pas un masque, pour une fois. On va déjà poser un petit peu tout ça. Alors le soin, on est équipé jusqu'à la fin du jeu normalement. Hein. Toc. Ça, je vais le garder avec moi pour l'instant. J'ai peur de tomber sur un zombie qu'on n'aurait pas tué. Un zombie surprise, appelons-le comme ça. Bon, restons comme ça. Ça fera un peu de défi. Alors, il y a une pièce ici qu'on n'a pas encore visitée. Et qui est ultra importante. On va se faire un grand soin.
Je crois que les... les soins maintenant, si on manque de place, on les bouffera. Ah non, moi j'ai beaucoup aimé justement Resident Evil 2 Remake. Non, non, j'ai vraiment bien aimé. Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Une lettre a été glissée à l'intérieur, le haut a été déchiré. Alma, je n'ai tenté de survivre que dans l'espoir de te revoir. Malheureusement, mes efforts ne peuvent que retarder l'inéluctable. Je suis contaminé. Je n'ai aucune chance d'échapper à mon sort. Je n'ai d'autre choix que de m'ôter la vie. Avant de perdre ce qui me sépare de ces monstres, je t'envoie tout mon amour. Dans une heure, j'aurai refermé mes yeux à jamais. Et je connaîtrai enfin la paix. J'espère que tu comprendras mon geste. Je suis désolé. C'est triste. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Ok. Merci Barry pour cette intervention en tout cas. Petit plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à trouver quelque part avant toute chose? Ah si, c'est là-bas, je crois. On va être ici. Voilà, un hameçon. Divers types d'hameçons. Un spécimen d'abeille. Et... un leurre d'abeille. Alors, de mémoire. Je dis bien de mémoire, appuyez dessus, non. De mémoire, ça, ça se combine avec ça, exactement. Et il faut les replacer différemment. Voilà. Et toi, on te place de l'autre côté. Spécimen d'insecte, bouton, oui. Super, super, symbole du vent. C'est bon. Ouf. Le 4, un des meilleurs. Moi, j'ai pas tant aimé que ça, le 4. Malheureusement. C'est sûrement un tort que j'ai, parce qu'il est énorme, mais... mais c'est pas mon préféré du tout, le 4. Cette vue. Cette vue. Il y a un truc à trouver, on est d'accord. Pff, super. Super le jeu. Il y a encore un truc à trouver quelque part. Ah, des rubans encreurs. On va les prendre. Le 4 est une merveille. Il n'y a pas assez d'horreur pour moi dans le 4, malheureusement. C'était le début de la fin, le 4. Seule erreur que j'ai fait, c'est Révélation pour 3DS, j'ai bien aimé, même si de base je suis pas fan du genre, j'ai beaucoup aimé Révélation. Et d'ailleurs, il est déjà en let's play sur la chaîne Révélation, on l'avait fait à l'époque de la Wii U. Et le 1 est le meilleur, enfin, c'est mon préféré. Je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est mon préféré. Passion apiculture. J'en ai même pas encore mis dans ma ferme, des abeilles. C'est très triste. Très très triste. C'est un tort. Le 6 a tué la licence. Bah, le 6 au moins il est fun, enfin si on accepte tous ces bugs, en coop. Alors toi j'ai pas besoin de toi tout de suite, mais oh là là qu'est-ce que tu vas me servir. Toi, mais j'ai pas besoin de toi, où sont mes rubans? Ils sont là. Toi j'ai pas besoin de toi. Oh, on va commencer à les mettre là. Je t'ouvre même pas la trousse de soins. Hop. Il nous reste toujours deux masques à trouver. Et ben on va aller les prendre tout de suite. Un vrai fermier dans l'âme, j'oublie jamais d'où je viens. Hop.
Et bref, si un mode portable de la Switch il tourne bien avec un bon casque sur les oreilles, ça va être de la bombe. Clairement. Clairement. S'il tourne bien, comme tu dis. Parce que ça, va falloir le faire tourner sur Switch. Même si le prix calculé va aider. T'es trop cheaté, tous tes soins abusés. Hey, je sais les économiser, les soins. Bon, et je sais tuer les zombies aussi. Hop. Resident Evil 2 original sur Switch. Pour le coup, je préfère le remake. Le remake est quand même excellent. Excellentissime. Alors, cet objet qu'on avait trouvé au tout début, on va cette fois le prendre. Et on va retourner dans une salle dans laquelle on n'a pas encore été. Retourner dans la salle où on n'a pas été. C'est vraiment très français ce que je viens de dire. C'est waouh! Alors, heureusement qu'on a tué notre ami. Par contre, on avait déjà déverrouillé la salle. On l'attend tous. Généralement, les Resident Evil, j'arrive à les faire sans mourir. Généralement. Alors, je vois un truc ici. Est-ce que je vais réussir à le prendre? Oui. Passons par ici. Il y a des cachettes partout dans ce jeu. Faut savoir que je le connais par cœur, donc ça peut vous sembler facile, mais trouver tout ça quand on ne connaît pas le jeu, c'est quasi impossible, c'est super dur. Enfin, c'est pas si dur si on suit la carte, mais quand même. Ça a son petit niveau de difficulté. J'ai toujours pas fini RE2 Remake, quant à moi. Oui, honte, effectivement. À part que le gaming sur Switch n'a pas les capacités pour... Bah, malheureusement. Comme le 7. Ils sont où les zombies, là? Bah là, là, on va tomber sur deux boss de suite. Si vous voulez savoir ce qui nous attend. Donc, ça va être sympathique. Alors, on va déjà lire ceci. Journal de Trevor. 11 jours se sont écoulés depuis mon arrivée au manoir. Que m'est-il arrivé? Un type vêtu d'une blouse blanche m'a apporté un maigre repas en me disant désolé de vous faire subir tout cela, mais c'est pour des raisons de sécurité. C'est à ce moment-là que j'ai compris, tout est clair maintenant. Nous ne sommes que deux à connaître le secret de ce manoir, Sir Spencer et moi-même. S'il me tue, Sir Spencer sera le seul à connaître le secret. Mais pourquoi? Cela n'a plus d'importance maintenant, cet endroit est trop dangereux, ma famille, j'espère qu'elle va bien, j'ai décidé de m'enfuir. Jessica, Lisa, j'espère de tout mon cœur que vous êtes en sécurité. Lisa, on la rencontrera, croyez-moi. Comment ai-je pu me montrer aussi bête? J'ai perdu mon briquet préféré, celui de Jessica. Là, il nous raconte un petit peu sa vie. Le jour où tout s'est joué pour moi, ma tante était hospitalisée 3 jours avant. Jessica et Lisa ont dit qu'elles allaient lui rendre visite. J'aimerais tant être avec elle. Attendez, à mesure que j'écris, la mémoire me revient plus précisément. Juste avant de m'évanouir, je me rappelle d'avoir entendu les hommes en blouse blanche dire quelque chose. Votre famille est probablement déjà. Je prie pour qu'elle soit saine et sauve. Par miracle, réussi à sortir de cette pièce, mais cela ne va pas être facile de m'enfuir de manoir. Échapper à tous les pièges de tigres, emblèmes dorés, je dois me rappeler pour ne pas périr. Effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire, en gros. Et donc, nous allons récupérer l'emblème doré. Toc. Et nous coincer dans la salle. C'est pour ça que nous avons récupéré avant l'emblème. Vous comprenez maintenant pourquoi je l'avais laissé ici, en début de jeu. J'étais vraiment intelligent, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Sortons et allons placer l'emblème doré au tout début du jeu. Tac. C'est-à-dire dans la salle à manger. Comment on va prendre le temps de lire, c'est exactement ça. Tac. Ah ah. On a une nouvelle énigme qui vient de se débloquer. Alors pour la résoudre, c'est facile. Il suffit de regarder ce tableau, de voir que la grande épée
est la plus courte, on va dire. La plus courte est dans la poitrine, la plus grande est dans la tête. Ok. Vous vous souvenez de ça. Et on va regarder l'horloge. À savoir que les engrenages sont inversés. Ça veut dire que le plus grand va aller tout en bas, c'est-à-dire dans la poitrine. Pour bouger la petite aiguille. Le plus grand. Encore à gauche. Donc, la grande aiguille est dans la tête, la petite est dans la poitrine. Je peux arrêter. Et voici. Clé du manoir. La clé bouclier, si je me souviens bien. Oui, la clé bouclier. Eh ben, quand on trouve cette clé, on sait que c'est la mort qui nous attend. Donc, bah, allons vers la mort, j'ai envie de vous dire. Allons vers la mort. Est-ce que je peux déverrouiller cette porte? Je me souviens plus. Non. Problème d'un casque, ok. Est-ce qu'il me reste, je vais regarder, des portes à déverrouiller. Là-bas, on a loupé un truc, c'est pas très grave. Poum, 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 poum. Ça, c'est pour le futur du jeu. On avait sûrement encore un truc à débloquer, mais je vais garder pour l'instant avec moi. C'est pas très grave du tout. Ah si, je sais, ok, je sais laquelle on doit encore déverrouiller, mais ça on le fera qu'après. Ok. Fort Boyard, une énigme, une clé. boum, 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 boum. Je vais prendre des armes. Mon premier Resident Evil était sur PS1, on me l'a offert pour mes 6 ans. Bah pour mes 6 ans, toujours plus. Toujours plus. C'est vrai que c'est conseillé hein, quand on a 6 ans de jouer à ce jeu. On ne le conseillera jamais assez, bien évidemment. Allez, lance-grenade. Fusil. Cartouche de fusil. Grenade acide. Alors ça, je vais juste combiner comme ceci. Toi, je vais combiner comme ceci. Toi, je vais te laisser. Toi, je vais te laisser pour l'instant. Toi, je vais te laisser. Ok. Eh ben, on reviendra chercher le reste après, hein. En fait, je vais me poser pour l'instant. Le pistolet dont je n'aurai pas besoin là où je vais. Toc. Mes parents s'en foutaient de l'âge, ben, j'ai l'impression. Hein. Bon, bah, vous avez compris qu'on allait se fight. Pas contre n'importe qui. Ah, du bout, c'est trop bien. On rigole, mais c'était beaucoup trop bien. Juste m'équiper de ça, juste avant. Patienter, rester calme. Ma mère me l'avait offert, à mon père sur PS1 et moi j'y jouais le soir en cachette. Comment faire des cauchemars à 4 ans, putain. Ah, vous avez eu des bonnes enfances, hein. Putain, moi, même quand j'étais au collège, on m'interdisait d'y jouer, quoi. Qu'on faire un stream dessus. Je ne l'ai plus, malheureusement. Ok. Clé bouclier, je n'en ai plus besoin. Elle ne servait qu'une seule fois, la clé bouclier. C'est pour cette sympathique salle.
Je me sers, hein, tu permets. Bon, bah écoutez, c'est parti. Hein. J'ai même aperçu que j'ai même pas sauvegardé avant. Hein. Ok. Alors croyez pas que c'est la fête. Hein. C'est juste que nous nous débarrassons de notre ami Richard. Adieu. Oh bah rip Richard. Hein. C'était un plaisir de t'avoir sauvé. Est-ce qu'il est fini là? Il est... Ouais, il va s'enfuir. Le serpent va s'enfuir. Savoir que pour l'instant, il ne fait que s'enfuir, le serpent. Et n'oubliez pas le pouce bleu, bien évidemment, si ça vous plaît. Tu as bien raison, mon ami Nightbot. Le serpent craint énormément les grenades acides. C'est pour ça que je les ai prises, hein, c'est pas par hasard. C'est que je sais ce qu'il craint. Et Richard nous a laissé un beau cadeau. Le destin s'acharne sur ce pauvre Richard. Il est très bon le destin aussi pour Richard dans l'aventure de Chris. Et ça c'est une très bonne nouvelle par contre. C'est un lâche le serpent. Bah ouais mais il va falloir qu'il nous propose un gros combat après. Alors attendez. Merci beaucoup Richard, j'avoue Richard, un plaisir. Un plaisir Richard. Coucou mon ami. Bon. T'es mort, t'es mort. Oh, ça fait plaisir là. Ah, le combat, le deuxième combat contre le serpent est plus... plus compliqué, on va dire. Mais il n'est pas pour tout de suite. Parce que là, on a bientôt réuni les quatre masques. Donc, on va pouvoir aller se faire plaisir. Alors, il va pas falloir que j'oublie ma clé. Et on va peut-être sauvegarder un coup aussi. Parce qu'il serait peut-être temps. Je vais poser ça. Ici, je vais récupérer mes petits masques. Je vais récupérer la clé. Je vais récupérer juste au cas où du soin. En vrai, je sais pas si je prends le soin. Non. Est-ce que je prends le pistolet ou on va rester... Non, on va rester comme ça. On va rester comme ça pour l'instant. Je vais sauvegarder. Hein, parce que sinon, les bonnes blagues, on les connaît. Attention, j'ai de quoi sauvegarder. Faut l'épée de Gryffondor pour le tuer, exactement. Alors j'utilise toujours plusieurs sauvegardes hein, pour les Resident Evil, par principe. Et j'ai toujours sauvegardé au même endroit pour l'instant. Alors là, va y avoir un mystère. Un gros mystère. C'est est-ce que la porte va vouloir s'ouvrir ? Comme je vous l'avais dit au début de l'aventure, la porte,
elle peut se casser à tout moment. Et je prie vraiment pour qu'elle s'ouvre. Oui, c'est bon, elle s'ouvre. Est-ce que tu parles de fourche-langue, c'est le coup ? Bah, j'ai fait LV2, mais je me suis mis d'arrêter. Coucou, mon ami. Coucou, mon ami. Allez, on te laisse redevenir un zombie méchant, toi. Tu iras parfaitement avec le monstre qui arrivera après. Bah, c'est pas grave, la prochaine fois, normalement, j'ai tout pris pour éviter de revenir, justement. Alors, j'appuie, c'est pas pour rien. Je connais encore l'énigme. Je la connais en avance. Je sais sur lesquels il faut appuyer. Je vais vous montrer après pourquoi j'appuie là. Hop. Tableau représentant un singe a pris une couleur verte. Et celui qui a un collier, hop, violet. Et du coup, il fallait juste faire correspondre ces trois tableaux à l'image de Lisa que nous avons ici. Bon, je sais comment le faire parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, je vais pas faire semblant de chercher. Hein. J'appuie dessus. Sortie. Masque. Et ouverture. Voilà. Gare au corbeau. Non, ça va. Là, il nous attaque que si on se trompe dans l'énigme. Alors, là, on va aller au devant. De grands problèmes. C'est qu'il y a le mal qui se trouvait dans notre petit cercueil. Dans une sec, on a de l'herbe. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, trou à la place des yeux. C'est toi. Libérons la bête. Toi, il te manque tout. Un plaisir, bien évidemment, je vous conseille de faire ça chez vous. Mais très sec. Mais qu'il est grave celui-là. Toi, c'est le nez qui te manque ? Ouais, comme Voldemort. Hop. Puisqu'on est dans Harry Potter. D'accord, il utilise ceci. Je suis pas en face, c'est ça ? Je... Eh bien, il en reste plus qu'un. Faisons-nous plaisir. Parfait. On peut encore s'enfuir à ce moment-là. Plus maintenant. Et effectivement, c'est notre ami Trevor. Trevor père. Aïe, pas gentil. Bon, ça reste un zombie. Donc, on s'en est plutôt bien sorti, ça va, j'ai pas perdu de vie. Plutôt bien. J'aurais bien aimé qu'il me mette zéro dégâts, mais bon, on peut pas tout avoir. Objet en métal et pierre. Et ça, c'est ce qu'on vient chercher depuis le début de l'aventure. Et je sais ce que j'ai oublié de prendre. Je sais parfaitement ce que j'ai oublié de prendre. Et du coup, ça risque d'être embêtant pour moi. Car j'ai oublié de prendre un objet important pour la suite, c'est pas grave. On fera un aller-retour du coup. Écoutez, on est là pour ça. Hein. Crimson Heads sont vraiment affreux. Ben, clairement. Et surtout quand il y en aura plusieurs qui vont nous courir après. Je suis en phase d'hésitation. On va aller quand même chercher l'objet en question. On va aller le chercher. En fait, ce qui me fait chier, c'est la porte qui va sûrement casser et je vais devoir faire un détour.
Parce que là, on a en fait notre ticket de sortie du manoir. Ce qui est important, vous vous en doutez bien. Il me faut cet item. Je vais vérifier un truc. Où est ma gourde? Ok, bon, dans ce cas-là, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir et on va brûler le zombie qui reste. Tant pis pour la place dans l'inventaire. Alors, est-ce que je vais aller au-delà de grandes déconvenues? Oui, la réponse est clairement oui. Bon. Je vais pas passer par en bas. Je vais aller par le jardin, je pense. Ouais, je vais passer par le jardin. Ça me paraît le chemin le plus safe. C'est Paris. Alors, je sais jamais où est la sortie, c'est ici. Ah, ces plans de caméra fixe, des fois, c'est un peu problématique. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ouais, calmez-vous. Ouais. Hop. Alors, les zombies peuvent se relever à tout moment. Il n'y a pas de temps limite, ça veut dire que lui... Il peut déjà se relever, mais c'est pas le cas, heureusement. L'animation des portes, le charme de Resident Evil. Ah oui. Les caméras sont pas horribles, hein, c'est juste qu'elles renforcent énormément le sentiment d'horreur. Et bonsoir Gwendoline. Ça, on va l'utiliser tout de suite. Coucou le chien, on se combattra tout à l'heure. Oui, elles sont stressantes, voilà. Et bonsoir Lucas également. Si vous entendez un truc courir, c'est le chat. C'est normal, il n'y a pas de souci, c'est l'heure de manger. Ouais, je vais peut-être le prendre. Ah, ça, je vais le prendre, par contre, il n'y a aucun souci là-dessus. Que de souvenirs sur Resident Evil. Ah, oui. Ok, oui. Je sais plus quelle porte il faut prendre. C'est peut-être celle-là, en premier. On va voir. Oui, c'était celle-là, en premier. Bien joué à moi. Bien joué à moi. De mémoire ouest. Oui, c'est bien ça. Petite cinématique. Alors là, on va recevoir un avertissement. Donc, il y a un monstre enchaîné dans la forêt à l'extérieur du manoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans la forêt. Ça me paraît bien. Parce que c'est la meilleure idée qu'on ait
Actuellement. Pardon, c'est là-bas. Je vois les escaliers. On va y aller, ouais, voilà. Hein. Toi, je sais plus où il faut te mettre. Sud ? Le but, c'est qu'ils aient... Non, c'était pas sud du tout. Nord ? Voilà, il faut qu'ils soient... qu'ils regardent chacun à la direction opposée. Normalement, il y a toute une énigme, mais encore une fois, je la connais, celle-là. La fameuse forêt interdite, oui. Alors, il y a donc un ennemi qui traîne ici, qui est invincible. Bon. Là, par contre, on va... pas trop plaisanter parce que eux ils peuvent nous attaquer à tout moment si on court. Et j'ai pas de pistolet en plus, j'ai pas envie de gâcher des munitions de pompe sur eux. Oui, je vais récupérer le magnum de ce pas. Oh, je peux récupérer les trois, mais quel talent! Mais quel joueur! Superbe symbole, hein. On va aller se mettre ici. Alors, on va falloir les examiner tous. Alors, examiner. Hop. Deux lignes en relief. Il faut en fait les activer, les boutons, pour les placer après. Examiner. Toc. Appuie dessus. Symbole du soleil. Et l'étoile, examiner, tac, appuyer dessus. Rien d'inhabituel, ok. Oui, c'est exactement ce que je veux faire. Hop, utiliser. Hop, utiliser. Et, bah vous l'avez compris, hein, utiliser. Ah, et on a l'arme ultime des Resident Evil. Celle qu'on n'utilisera pas avant la fin de jeu. Le revolver Magnum. Ça mérite que je cours pour fêter ça. Et que je me mette tous les corbeaux à dos. Voilà. L'architecte pour faire de telles énigmes, vrai schizophrène. J'avoue, il était peut-être pas net, hein. Mais bon. Ah, le fameux monstre enchaîné. Oui, je peux récupérer l'arme de Barry aussi, mais j'ai pas envie qu'il lui arrive malheur. Je l'aime bien, moi, mon ami Barry. J'ai rien à récupérer ici, il me semble. Si, en fait, j'ai récupéré, j'ai rien. On va monter jusqu'à la cabane au fond du jardin. Non, je vais peut-être pas tester le magnum sur un zombie normal. De toute façon, il va perdre la tête direct, hein, si vous voulez savoir ce qui va arriver. Il va prendre cher. Je crois que j'ai tout trouvé, du coup, ici. Yes. Eh ben, on va par là où venaient les bruits, hein. Ok, alors là, on est chez quelqu'un. On est totalement chez quelqu'un. On a un plan ici. Carte de la cour. La cour, qui est donc le deuxième endroit que nous allons explorer. Un lit rudimentaire, on dirait... que personne n'y a dormi depuis longtemps. Et pourtant, mon ami, si tu savais, il n'y a pas un... si, photo de famille. Papa attaché en premier, maman attaché second, rouge et collant, dedans, blanc et dur. Pas vrai, maman, où c'est papa, ouais, maman attaché, elle bouge, elle crie. Maman, où tu me manques, ça va bien. Lisa va très bien. Il y a autre chose à trouver là-dedans? Ah oui, évidemment qu'il y a autre chose à trouver, je suis bête.
Magnum, ravi de t'avoir vu. Je vais garder une herbe sur moi. Toujours garder une petite herbe sur soi. Ça, je le pose, mais je le reprendrai dans peu de temps. Et ben voilà. Et ben voilà, comme on dit. On va descendre ici, tout doucement, sympathiquement, et récupérer un objet de quête très important, la manivelle. Et évidemment, on va ressortir tranquillement, vous vous en doutez bien. Ah, on a de la visite. C'est génial. Allez, salut! Elle a aussi, ouais, elle a aussi une petite pièce à elle dans la grotte. Mais bon, elle a l'air de se plaire ici aussi. Or là, c'est le défi que je me mets à chaque fois. Est-ce que je peux passer Lisa sans me prendre un coup? J'en ai vu qui y arrivait. Je n'y suis jamais arrivé. Et je n'y arriverai pas cette fois non plus. Tant pis pour moi. Putain, j'ai pas beaucoup de soins par contre. C'est pas très grave. Ça va Lisa? Tu le vis bien? Bien sûr qu'il y aura la rediff, vous n'en faites pas, c'est pour ça qu'il faut laisser un pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait. Histoire d'aider la rediff. Alors normalement on va croiser un petit pote, si je me souviens bien. Il a l'air mort. Il a pas l'air mort. Cette fois, il a l'air mort. Bon, il va se transformer après, mais ça va. Il le vit bien. Ouais, je ferai également Resident Evil 2. Remake. Après Yoshi, sûrement. Histoire de varier les plaisirs. L'écrit horrible qu'elle fait. Elle est horrible, Lisa. Et on va la croiser plus d'une fois. Avec l'OST original ou la remake? Je préfère la remake, hein, personnellement. C'est très nostalgique l'original, mais bon, hein. Voilà quoi. Alors là, je vais un peu tracer, vous me pardonnerez, parce que je n'ai pas tant de vie que ça, et je vais devoir traverser tout ça. On a un peu de chemin à traverser. Jill to Brad, can you hear me? Bien sûr, la remake, faut pas se laisser avoir par la nostalgie. Hein. Les musiques remake sont excellentes. Bon. Merci mon ami, au plaisir. Non, tire Jill, tire! Pourquoi tu tires pas? La lourde, Jill. La très lourde. Bon bah, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je vous abandonne. Je vous laisse à vos débilités. Là, je suis pas bien. Je suis clairement pas bien. Toc. Alors, on va recharger un coup.
Ah, mais on se laisse souvent avoir par la nostalgie, c'est ça qui est dommage. J'adore les musiques originales hein, de Resident Evil 2, y a pas à dire, mais les remakes valent le coup. Et je vois pas pourquoi on les laisserait pas en fait. Toc. Je m'en vais, hein, je laisse tout, je cours le plus vite possible. Je prends, il n'y a pas de soucis là-dessus. J'hésite à aller prendre l'herbe, hein, mais ouais, tant pis. On va essayer de ne pas se faire choper par les serpents. C'est bon, on atterrit. Dans la deuxième maison du jeu. Ça va, Jill? Tu es bien en point? Tu le vis bien? Hop. On va aller dans la salle de sauvegarde qui est ici. Et sauvegarder, vous vous en doutez bien. Tiens, ah, parfait. Hop, ça, on va l'utiliser. Voilà. Elle est soignée, la petite Jill. Oh, du ruban. Toc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait un petit tour de l'inventaire? On va se faire un petit tour de l'inventaire. Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Ça, j'en ai absolument pas besoin pour le moment. On va récupérer notre pistolet. On va enlever les balles de fusil à pompe. On va essayer de pas trop les utiliser. On va récupérer le pistolet. Et ça me paraît bien pour l'instant. On va visiter cette maison. Et ben lors du prochain stream. Hein. Toc, on va aller sauvegarder un petit coup. C'est important. Sauvegarde, sauvegarde. Jill, tu vas y arriver. Utiliser un ruban encreur, oui. Je pense qu'on continuera notre aventure lundi. Hein, ça me paraît bien parce que normalement, demain, je vous le dis, on devrait jouer à Mario Kart avec les AR. Si on joue pas à Mario Kart, eh ben, on continuera tranquillement notre aventure sur Resident Evil. Donc dans tous les cas, bah, y a un stream demain. Je vous remercie, hein, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir un jeu bah, moi, que j'aime énormément. Bref, eh ben, je vous donne rendez-vous demain soir pour un nouveau stream, demain pour une vidéo également. Dormez bien, bon samedi et... À demain.